Et bonjour. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais présenté cette boîte comme ceci et j'avais demandé si vous saviez, oula, vous êtes poussière, si vous saviez qu'est-ce que ça pouvait être. Alors, on m'a dit une boîte à chapeau. Bon, ben, aujourd'hui, je vous le dévoile. C'est attention, tadam. Une boîte de pellicules, de films, de cinéma. Alors ça, c'est la boîte. On l'ouvre. Attention, voilà. Et là, à l'intérieur, on a la pellicule. Alors là, bien entendu, la personne peut marquer le nom, la date, enfin, ce qu'elle veut. Et voilà. C'est sympa, non? Alors, on ouvre. Attendez, je vais enlever ça ici. Et on la déroule. Et vous pouvez mettre vos photos. Ce sont des photos 9-13, hein? Et voilà. C'est sympa, je trouve. Puis bon. Voilà, on arrive au bout de la pellicule. Alors, c'est pas de moi le tuto, sauf pour la boîte. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui ai eu l'idée parce que sinon le tuto se présente qu'avec la bobine. Il y en a plein sur YouTube de différents. Moi, j'ai adapté le mien par rapport à celui de Atunida. Elle appelle ça, elle, album Carrette de Pellicula. Voilà, c'est la bobine de film. Moi, je l'ai adapté. Donc, je peux y mettre, j'ai pas compté, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12 photos. Bon, c'est un petit album, 12 photos, mais c'est la présentation qui fait tout son charme. Donc, on remet le ruban autour parce qu'il n'est collé nulle part. Voilà. Pour tenir le tout fermé. Je vous montre. Voilà. Les photos ne sont nullement esquintées parce que vous voyez, elles restent, ça reste en fin de compte carré, elles restent droites. Donc, comme je disais là, eh ben, vous pouvez marquer le nom, l'endroit, la date et le dessus de la boîte. Donc, il y a du 3D, vous voyez, il y a des épaisseurs, quelques surépaisseurs. Donc voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. Je vous fais de grosses bises et vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.